everyone. Thank you for coming. My name's Sam Quinlan. I'd just like to say thank you very much to our speakers this evening, Professor Chick from Castle Craig Hospital, Christoph Sauerwein, and David Della Palma Regis from ACT Now. Tonight's the first, actually, it's our launch of ICAD, a new company, and as it's been said, it's long been a promise of mine to start traveling around and opening up discussion and having more of an international understanding of what is going on in the treatment of addiction, process addictions, and within families in general. So I'm really excited about being here. We're coming back again on March the 14th to the same venue for a whole day and evening. And that will be more about asking you to do presentations and speak about the work that you do so that we really do begin to have a kind of international cross-pollination. But I could ramble on about that. So this is my English version of saying hello. And with that, I will hand over to Professor Chick. When I open my computer in the morning, I have MSN News. Cette nouvelle. This week, we had 20 secret societies dirigent le monde. J'ai reconnu les maçons. Au milieu, qu'est-ce que c'est? Opus Dei. Et parmi ces vingtaines, nous voilà. L'alcoolique, les alcooliques anonymes. Société pas assez secrète. Ils sont partout, ils sont parmi nous. Eh bien, c'est it is the opinion of the MSN News. I don't know who the other 20 are. Heureusement, moi je connais quelques membres, plusieurs membres de cette société secrète. Et j'ai une très bonne expérience. Quelles sont vos expériences et croyances vis-à-vis l'efficacité des mouvements d'entraide? Eh bien, l'évidence est difficile à trouver parce qu'un vrai essai randomisé n'est pas possible. You can't randomize a group of recovering alcoholics and send half you go to AA and you must not go to AA. So, we have open studies, les études ouvertes, bien sûr. Et il y en a beaucoup qui montrent que le rétablissement stable est lié à l'assistance régulière aux réunions des AA et NA, etc. Yeah, very strange. This paper found double the relapse rate among those who were also having a medical or psychological follow-up. Of course, it may be that these were the more disturbed individuals. We don't know. Est-ce qu'il y a des individus pour lesquels les groupes d'entraide ne sont pas appropriés ou effectifs? La question de dual diagnosis a été étudiée dans une étude randomisée pour the 12-step facilitation design. And quand c'est une maladie psychiatrique sérieuse, donc psychose, schizophrénie, c'est difficile de faire, de montrer un bon résultat. Mais plus de réunions, meilleur résultat. Donc c'est difficile pour quelques-uns de ces individus de it's difficult for some of these people to overcome the social barriers that they feel. People with schizophrenia, as you know, are very reserved often. And to end, a beautiful poem written to the self-righteous, les auto-justes, in his little town in Scotland. He was very affected by the science discoveries of his time.
They just discovered how to make a clock that you could send on a boat, and then the sailors would be able to calculate their longitude and avoid shipwreck. That all depended on the clock, with the spring, the bias, the tension. And he wrote this beautiful line, what's done, we partly may compute, but know not what's resisted. Thank you. Et j'aimerais conclure sur les mots du poète Robert Burns, qui a été profondément impacté par les découvertes scientifiques de son âge, depuis son petit village d'Écosse, et notamment par la découverte de cet instrument qu'emportaient les hommes de mer pour éviter tout naufrage, toute catastrophe, et qui leur permettait de déterminer la longitude à laquelle ils se situaient. Et donc il dit, ce qui a lieu, on peut le constater, mais sans savoir ce qu'a été la lutte. Merci. Thank you, Sally, very much. Alors, quand on m'a demandé de parler aujourd'hui, il y a des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. On a beaucoup parlé de ce à quoi on est addict, de l'objet de l'addiction jusqu'à présent, avec la contribution de Jonathan. J'aimerais essayer de vous donner des idées de réflexion sur plus loin que d'être addict à quelque chose. Qu'est-ce que c'est que l'addiction? Et on tourne autour de ça énormément. Et qu'est-ce que ça représente? Et ce que j'aimerais communiquer ce soir, ça va être un peu polémique par moment, c'est que on n'est pas addict à quelque chose. On est addict, point. Alors, du coup, on a souvent parlé, parce que tout ça est un peu connu, mais on a parlé d'addiction croisée. Alors moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, le croisement. Comme ça, je ne sais pas. C'est un bon terme, mais ce n'est pas assez précis. Ce n'est pas spécifique. C'est statique, alors que les addictions évoluent entre elles dans un modèle dynamique à travers du temps. Et ça ne permet pas beaucoup de choix thérapeutiques. Bon, OK, il y a une addiction croisée entre l'alcool et les substances. Bon, et alors, on fait quoi? Donc, on est arrivé de plus en plus à essayer d'établir des cartes dynamiques des systèmes addictifs. L'inventaire du système, mais surtout leur interaction, et leur interaction dans le temps. Alors, il y a eu plusieurs tentatives. Celle qui, pour l'instant, débouche le mieux sur plein de choses et des recherches ultérieures, c'est celle de Carnes, de nouveau, parce que quand il a trouvé ça, il s'est dit, il faut essayer de regarder ce qui se passe. Et il a défini 10 interactions homogènes. Quelques mots sur le traitement. L'addiction est une maladie cérébrale, chronique, progressive, symptomatique complexe, c'est individuel. Les réponses systématiques ont peu de chances d'aboutir. Donc ce n'est pas le modèle de thérapie cognitive, ce n'est pas tel modèle. Ouais, ça marche, bien sûr, mais c'est trop individualisé. Il faut trouver du sur-mesure. Aucun modèle spécifique de thérapie ou de pharmacothérapie n'a apporté de réponse crédible. Il faut intégrer, il faut associer différentes choses. Ce qu'on sait, c'est que les traitements résidentiels, c'est-à-dire la mise à l'abri, ce n'est pas nécessairement le centre de traitement. Le traitement où on se met à l'abri, ce n'est pas tellement à propos de faire quelque chose sur soi, c'est surtout à propos d'arrêter de faire quelque chose. Et après, on fait quelque chose sur soi. On sait que le groupe brise la résistance du patient. On sait que la thérapie individuelle, c'est juste une heure contre 167 heures par semaine tout seul, avec la possibilité d'utiliser 5, 10, 15 addictions. C'est difficile. On sait que les thérapies cognitives comportementales, les TTCC, fonctionnent bien, mais ça ne résout pas les problèmes des réactions post-traumatiques du cerveau limbique. Donc l'une fonctionne, mais il manque quelque chose à chaque fois. Ce que j'essaie de vous faire passer comme message, c'est que si on veut regarder un tout petit peu qui on a en face de nous avec des troubles addictifs, il faut faire une cartographie individuelle des mécanismes addictifs. Il faut faire des priorités, il faut s'occuper du premier crocodile près de la pirogue, qui peut être effectivement l'alcool ou la drogue. Mais le gros crocodile là-bas, il ne faut pas l'oublier. Il faut regarder d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé dans les origines développementales. Il faut évidemment marcher vers l'abstinence aux substances, il n'y a pas le choix. Il faut regarder les limites d'abstinence pour les addictions de processus. Il n'y a pas d'abstinence dans la nourriture, ni dans le sexe, ni dans les relations humaines, ni dans le shopping. Il faut trouver quelle est la limite saine. Il faut se mettre à l'abri. Il n'y a pas le choix. Il faut arrêter d'être sous pression, il faut arrêter le stress. Il faut redescendre les syndromes post-traumatiques de l'enfance. Il faut retrouver un sens à la vie. Et il faut faire ça d'une façon permanente. Et on sait, je renforce ce que disait Jonathan tout à l'heure, on sait que là, les groupes d'entraide non thérapisés, il n'y a pas de thérapeute, c'est génial, on est entre nous, donnent une maintenance chronique, un sens à la vie, un éveil spirituel. C'est fort, c'est riche de sens. C'est bien plus fort que les préventions qu'on peut avoir. C'est ça qu'on entend. Alors il y a NA, AA, il y a SMART, il y en a plein d'autres. Et il ne faut pas oublier la famille.
Je termine juste sur cette petite phrase de Duras, parce que c'est exactement tout ce que je viens de dire, mais d'une façon très jolie et existentialiste. L'alcool a été fait pour supporter le vide de l'univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l'espace, leur silencieuse indifférence à l'endroit de votre douleur. Merci Duras. Voilà. Merci. Je me présente, je m'appelle David Delapalme, je travaille à Paris comme psychothérapeute, comme counselor depuis presque une vingtaine d'années maintenant. Ça me tient beaucoup beaucoup à cœur de faire ce travail ici à Paris et en France. Je vais vous raconter une petite histoire. En fait, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je voudrais l'utiliser comme... Non, ça c'est en arrière, pardon. Je voudrais l'utiliser comme un vecteur d'expliquer ce qu'on entend par le continu des soins. Est-ce que vous reconnaissez ce dessin ? Le petit prince, la planète du buveur. Voilà le buveur. Et le texte. Je vais vous le lire très rapidement. C'est le chapitre le plus court du petit prince. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là ? » dit-il au buveur, qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois, » répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu ? » lui demanda le petit prince. « Pour oublier, » répondit le buveur. « Pour oublier quoi ? » s'enquit le petit prince qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte, » avoua le buveur en baissant la tête. « Honte de quoi ?» s'informa le petit prince qui désirait le secourir. « Honte de boire, » acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'en fut perplexe. « Les grandes personnes sont décidément très, bizarres, » se disait-il en lui-même durant le voyage. Je vais le mettre en anglais pour les gens qui préfèrent le lire en anglais. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit cette histoire ? Ça nous dit que le buveur est un malade alcoolique, on est d'accord. Christin nous a bien expliqué la maladie et tout ce qui s'ensuit avec. C'est une maladie donc chronique du cerveau, il n'y a pas de guérison. C'est une vigilance à vie, donc c'est un sacré job. Qu'est-ce qui est important là dans l'histoire ? Il boit pour oublier, donc il anesthésie ses émotions. C'est ça le but de l'alcool, ça anesthésie les émotions. Tout l'appareil émotionnel est anesthésié. Et il boit pourquoi ? Parce qu'il a honte. Donc les émotions qu'il est en train d'anesthésier, c'est la honte, la culpabilité. Et il se retrouve tout seul, dans un isolement total. Donc aucun attachement, le seul attachement qu'il a, c'est avec ses bouteilles. Et c'est évidemment un attachement insécurisé parce que ça ne règle rien. Qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire qu'avec cette maladie, c'est ce qu'on rencontre dans nos pratiques, dans notre cabinet, d'énormes stigmates très lourds à porter et qui ont une incidence tellement profonde dans leur psyché que c'est très, très difficile de leur faire comprendre que c'est une maladie d'abord. Et donc, il faut essayer de comprendre ce concept-là. Et si c'est un diabète, si c'était un cancer, est-ce qu'il y aurait cette honte et cette culpabilité ? Non. Ce que nous a dit le professeur Schick et Christophe plus tôt, ce n'est pas une question de moralité, c'est une maladie. Je ne pense pas qu'un addict se réveille le matin en se disant « Schick, je vais pratiquer l'addiction aujourd'hui, je vais faire le plus grand mal à moi et tous ceux que j'aime autour et j'aurai passé une bonne journée ». Non, ce n'est pas ça. Donc cette stigmatisation, en fait, entraîne un cercle vicieux, parce que la honte est toujours là. Elle est rappelée, comme Christophe le disait, à chaque instant, elle est rappelée. Et donc, la tentation d'aller boire pour anesthésier, elle est toujours présente. Au début, elle est presque insurmontable. On le sait, on connaît tous les histoires de descente aux enfers. On les connaît par cœur. Il y a des livres, il y a des films, il y a des... Tout a été dit, fait ou filmé. Il y en a très peu sur ce qui se passe après.
Et c'est ça qui me tient à cœur. C'est ça que je voudrais vous dire aujourd'hui. C'est ça que je voudrais dire au corps médical français. Et je pense qu'on a besoin, avec eux, de faire une alliance thérapeutique, de, OK, vous vous occupez de cette partie-là, mais qu'il y ait une transition et qu'on puisse faire le reste du travail derrière, et confiez-le à des gens qui sont qualifiés pour ça, qui veulent faire ce travail, qui n'ont pas besoin d'être médecins ou psychiatres, hein, et que cette alliance puisse se faire en bonne forme et en bonne compréhension. La force du groupe, la force des autres qui se battent et tout ça vous donne des forces à vous. C'est ce que le professeur Chic a expliqué, cette espèce de force de groupe qui fait qu'ensemble on y arrive. Tout seul, c'est foutu. Le buveur, tout seul sur sa planète, foutu. Si le petit prince était retourné 6 mois plus tard, il serait mort. Donc voilà, ça c'est le message que j'essaie de vous passer aujourd'hui. Je pense qu'il y a la nécessité absolue d'un continu de soins dans la durée, une alliance avec le médical, et puis j'aimerais passer la parole à mon collègue Régis, hein, qui est peut-être peut compléter un petit peu ce que j'ai dit. À toi Régis. Bonsoir, je m'appelle Régis Rib, donc je suis counselor depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. J'ai commencé ma carrière au centre APT. En fait, c'est assez simple. En France, il y a deux centres qui utilisent le modèle Minnesota comme cadre de référence. Donc j'ai fait une dizaine d'années à APT et ensuite j'ai participé à l'ouverture de la communauté thérapeutique à Aubervilliers, dont parlait David. En France, il y a une peur terrible de confronter le patient, en fait. On peut confronter un patient avec amour et empathie, mais en France, quand on a ouvert la communauté en 2000, je ne me souviens plus même en quelle année c'était, mais à part les deux counselors que nous étions avec ma consoeur Rani, c'était des jeunes éducateurs, des jeunes psychologues, un médecin qui venait je ne sais pas d'où. Et en fait, la seule réponse était « Mais vous êtes fous, c'est leur intimité, on ne peut pas leur demander de parler de leur vie en groupe, c'est indécent. Quand un patient se mettait en colère, la seule solution que trouvait le médecin, c'était de renforcer un peu les dosages de tertian. » Vous voyez, c'est dire à quel point j'avais dit quelques mots à Yukesad en disant « Je ne sais pas de qui on va avoir besoin, mais on va avoir besoin sans doute de vous, parce que moi, je ne cesserai, tant que j'aurai encore de l'énergie, de lutter pour que ce modèle soit cantonné à Bussy-le-Long en Picardie et à Aubervilliers dans la banlieue parisienne. Il y a une petite unité à Oni, mais il y a un counselor qui travaille là-bas. Je sais qu'il y a de moins en moins de counselors parce que nous vieillissons, il n'y a plus de formation depuis, ça vous pourrez en parler avec Suzy, parce que je pense qu'elle essaie de faire un réel travail là-dessus et de sensibiliser la Fédération Addiction, qui est un peu la grande toute-puissante dans le paysage des addictions en France. Voilà, c'est pas très positif ce que je vous dis, c'est pas très optimiste, mais... je ne sais pas, avec les personnes qui sont dans cette salle, ce qu'on pourrait faire pour, malheureusement, à qui s'adresser, puisque les personnes qui pourraient être concernées, qui pourraient être intéressées, je pense qu'on pourrait faire un travail formidable avec les médecins. On pourrait, nous, non pas imposer, mais proposer dans les centres hospitaliers le mode de traitement qu'on pratique dans les centres du modèle Minnesota, peut-être moins intensif, peut-être plus... aviser préparation d'une post-cure, prévention de la rechute, ce que nous savons très bien faire. Mais voilà, je suis perplexe, comme le petit prince. Lui, il est perplexe face à l'alcoolique. Moi, je suis perplexe face au système français. Alors, c'est vrai qu'on a fait des progrès.
comment, voilà la question que je pose, et je crois que je vais m'arrêter là, et puis on va peut-être se la poser ensemble et en reparler ensuite, c'est comment on peut faire pour que la France sorte du conservatisme, du mode de traitement qui date en fait... quand je relisais hier les travaux de l'alcoologue Fouquet, qu'il a écrit en 1914, c'est exactement ce qu'on peut lire aujourd'hui dans les précis d'alcoologie ou d'addictologie en France. Et quand les patients sortent d'un centre de traitement comme APT, ils remplissent un questionnaire de satisfaction et on leur demande quel est pour vous le point fort, quels sont les points forts. Et le premier point fort, donc 80% des résultats, enfin des réponses des patients, c'est que l'équipe est composée de membres qui ont eux-mêmes connu le problème. Alors voilà, il y a un DU qui vient d'être créé à l'université, c'est peut-être un progrès, on va essayer de voir si on ne peut pas passer par là, à l'université Paris-Sud, ça s'appelle les patients experts. Alors voilà, il y en a quelques addicts qui ont été formés, en rétablissement, des addicts en rétablissement qui ont été formés. Je ne sais pas très bien jusqu'où ça va aller. Je sais qu'il y en a un ou deux qui ont été intégrés dans des structures, mais qui sont bénévoles, donc je ne pense pas que ce soit un bon début. Mais on va aller voir un peu de ce côté-là s'il n'y a pas des choses à faire et si on ne peut pas, avec tout le travail que Suzy a commencé à faire, essayer de mettre en place des vraies formations de counselors en France. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté.